Yo les broches, nouvelle vidéo, épisode 10 du mode immortel. L'épisode 9 était plutôt court. Mais aujourd'hui, on va le faire un tout petit peu plus long. Dites-moi en commentaire, encore une fois, la... Comment on dirige une dragon? Je me rappelle même plus comment on fait avancer. Parce que là, il se traîne. Dites-moi une nouvelle fois en commentaire ce que vous voulez en durée de vidéo parce que ouais quand ça approche les 1 heure je vois qu'il y a beaucoup moins de monde. En fait quand je galère pas dans une vidéo, quand le titre vous montre que je galère pas, et bah vous attirez moins, il y a moins de commentaires aussi. Bref, à l'épisode où les Nazgûl m'ont pas du tout fait chier, voire très peu, il y a pas beaucoup de vues. Putain mais comment on fait? Ah il y a fait quoi là-bas. Ok. Ils m'ont pas trop fait chier, bah au final l'épisode n'a pas fait beaucoup de vues, zéro commentaire. Bref, alors que l'autre épisode où je galérais comme un âne. Bref. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous voulez, ce que vous préférez dans le let's play. Et voilà, donc nous on est encore à Nurmen. Donc là c'est la dernière mission apparemment que j'ai. Donc je pense que c'est la dernière dans la région. Et puis après, bah si c'est la dernière, on change de région. Donc la forteresse est acquise, tout ça, donc tout va bien. Les Nazgûl vous traquent à travers le Mordor grâce au Palantir. Rejoignez Eltariel pour leur faire face. Ok, donc ça fera 2 Eltariel encore une fois. Ma petite sœur jumelle. Et c'est parti. Des blessures nettes. Et ils n'ont même pas dégainé leurs armes. On dirait l'œuvre d'Eltariel. Elle ne fait pas de quartier. À première vue, certains auraient fait de bons partisans. Il faut la trouver avant qu'elle n'élimine toutes nos recrues potentielles. Et si elle le faisait, nous n'aurions plus besoin d'une armée. Ah! Donc, petite info de tournage du RP. Donc, le RP, premier épisode tourné, pas encore publié, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, petite anecdote. Zogdouche m'a trahi dans le mode quand j'étais en train de préparer un petit peu le tournage du RP. Il m'a trahi. Heureusement, j'ai pu le redominer tout de suite. Donc, franchement, sans aucun souci, je pensais pas qu'il allait m'accepter. Mais avant que je ne l'attaque, il parlait J'ai quand même flippé. Différent des autres. Il y a des vers par ici. Merde, mais je suis à Lyon en fait. Ce qui se passe. Bizarre si ça. Les capturons vivants. Bon, dites-moi aussi si vous préférez que je reprenne Talion pour le let's play. J'avais pris le Tariel hein, comme skin juste pour dire que je suis en mode immortel, juste pour qu'on fasse la comparaison entre les deux, juste pour que au premier coup d'œil vous voyez que c'est le mode immortel. Mais là, j'avais le Tariel et puis il me semble oui, j'avais le Tariel. Et là, ça a pas changé le skin quand j'ai pris la mission. Moi, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère jouer avec Talion. Hein. Après c'est pas grave. Les Nazgûl ont le gameplay reste pareil. Avec des orques spéciaux. Dis-nous tout. Ah, on les appelle les Célis. Et lui, pourquoi je peux pas vous dire, Ok mec, c'est pas grave. T'inquiète pas, on t'envoie. Non, il est même pas mort. Je peux pas tirer dans la tête, mais bon. Ah! Merde, je crois que je devais l'interroger lui. Ah non, c'était celui-là d'à côté, ça. Ah. Ouf. Non, 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 c'est vrai que je suis en mode immortel. Moi je suis un peu trop le malin. Donc pour le... Merde! Pour le RP, je suis en mode... Je crois qu'il allait me balancer la lance et que ça l'a encore annulé. Pour le RP, je me mets en mode normal, hein, pour... Sinon c'est trop casse-couille, hein. En plus je supprime la TH, je supprime tout. Pour que j'ai pas de vision, bah j'ai juste une petite icône qui me montre qu'un ennemi m'attaque. J'ai même pas la touche qu'il faut que je fasse pour le contrer. Donc j'essaye de limiter un maximum la TH, j'ai quasiment rien.
Donc c'est un peu casse-couille, donc si en plus je suis en mode immortel, vous imaginez bien que ça va être le gros bordel. Bref, je me remets en mode normal pour le let's play. Mais pour le RP, pardon. Mais par contre, tout ce qui est en mode... Tout ce qui est en mode let's play, quand je tourne, c'est... Quand je tourne et bien sûr, quand je up hors vidéo, et ben je suis en mode immortel et c'est super dur. De toute façon, vous voyez bien en vidéo, hein. À chaque fois qu'ils me mettent un coup, je peux vous montrer, à chaque fois qu'ils me mettent un coup, c'est la moitié de ma vie qui se barre. Et je ne vous mens pas, vous le voyez très bien. Merde, voilà. Pour ceux qui ne me croyaient pas encore, vous voyez bien que la moitié de la vie part. Ah merde! Oh non, oh putain, je suis même pas mort! Ouh là 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 là! Putain, c'est un ouf lui! Ah! Oh non, la blague! Oh la vache! J'ai joué comme une bite! Les armées des hommes ont été vaincues. Excusez-moi. Excusez-moi d'être nul. Non, mais je prends trop la confiance. Juste pour des trucs simples, hein, je prends trop la confiance. Mais bon, là, ça m'énerve pas parce que je sais que je peux le passer haut la main. Donc je m'énerve pas. Et en plus, c'est la première fois que je meurs. Tranquille, tranquille. Mais quand même, c'est quand même bien de galérer des fois parce qu'on se dit merde. Après, une fois que tu arrives, c'est. T'es OP, toi. T'es OK, quoi. T'es super content de toi. Bref. Je rattrape mon retard. Merde. Allez hop, toi, t'es dominé. Ok, je m'en fous. Les Nazgûl ont des accords avec des orques spéciaux. Dis-nous tout. On les appelle les Sili. Et lui, pourquoi je peux pas vous dire. Hop. Ok. On en met là-bas. Quel est l'objectif des élus? Protéger les Haïdir, ça a un rapport avec la pierre de vision, c'est tout ce que je sais. Voilà. Hop, je fais par télépathie aussi, je me touche même pas. Hop, c'est parti. C'est parti, mon petit. Hop. Elle a plus que deux. Là, je vais voir le Maboule qui m'a tué tout à l'heure. Moi, c'est même pas lui qui m'a tué, c'est un de ses potes. Aïe. Putain, la vache. Le mec, il me voit une partie de ma fesse dépasser. Et le mec, il s'enflamme déjà. C'était pas plus compliqué que ça. Hop. Ces élus, d'où est-ce qu'ils viennent? Les hurleurs les créent avec un genre de rituel. C'est gardé secret. Je sais pas où ils font ça. D'autres orques approchent. Je m'en occupe. Tant que le roi sorcier aura le prêt. Non! Oh, comment il m'a raté comme une bite? Le rituel pour créer. Alors, il faut les aveugler. Voilà. Personne le sait. Quand un capitaine est choisi, les hurleurs envoient un verre pour lui dire où aller. Ok, mec. Il faut informer Eltariel de ce que nous savons. Ça ne la concerne pas. Nous avons notre mission. Elle a la sienne. Sa mission est d'éliminer les ennemis qui nous suivent. Plus nous échangerons d'informations, mieux. Ouf. C'est un gros celui-là. Ils ont bien voulu coopérer? Le roi sorcier se sert des Haïdir pour trouver l'anneau. Il donne plus de force au Palantir. Des orques élus les protègent. L'ennemi détient peut-être le Palantir, mais les Haïdir sont beaucoup plus vulnérables. Bien. Voilà donc leur plan. Il n'y a plus qu'à le contrecarrer. Ok.
Bon, c'était une petite mission simple. Je suis mort une fois, mais bon. Comme une bite, quoi. Bon, est-ce que c'est la dernière mission de Norman? Alors, est-ce que j'avais le Tariel? Oui, j'avais le Tariel. Oui. Parce que oui, pour le RP, je prends bien sûr Talion. Donc je suis obligé de changer quand je tourne, quand je tourne pas. Donc, ah non, j'en ai encore une là-bas. El Tariel a repéré les Nazgûl dans les environs. Fouillez la zone pour découvrir ce qu'il trame. Ok. Donc ce sera du 100% Nazgûl aujourd'hui. C'est pas du 100%, mais... mais presque. Les chargements... c'est très 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 long. Le roi sorcier tente de récupérer ce qu'il a perdu. Il ne réussira qu'à perdre encore plus. Les trois tours, c'est plus les deux tours, c'est les trois tours. Le nom de la mission. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, les deux tours, c'est bien sûr un épisode du Seigneur des Anneaux. Et oui. Oh non. Ah. Lui, encore une anecdote, c'est un mec qui participe au RP, du coup faut absolument pas que je le tue. Parce qu'il est dans le RP, du coup faut pas que je m'en occupe. Il m'a bien sûr trahi parce que je l'avais... en plus je l'avais... il était pas prévu dans le RP, mais bon je l'ai dominé. Et puis dans le RP, je tourne une scène, le mec il vient... il me trahit parce que j'avais tué son frère de sang. Du coup, il m'a trahi en fait. Et du coup, bah, j'ai décidé de me barrer puis de l'inclure dans le RP. Voilà, des petites choses qui arrivent, mais qui animent le RP et puis c'est plutôt cool. Il te suit à la trace. Et bientôt, il te dominera. Vite ! Il ne doit pas reprendre les Aïdir. Atteignez la tour avant que l'Aldir ne soit reconnu. Tuez des orques en vous battant à d'autres bêtes. Quand nous aurons repris ces tours, il faudra trouver Karagor, t'es où ? Bon, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher mon Karagor, j'espère que c'est pas très bon. Oh, c'est juste là. Facile, facile. Mon visage. Le roi sorcier aura son dû. Je compte bien reprendre cet ID. Lui, il s'appelle Orc, carrément. Aucune originalité. Il a la tête fragile en plus, c'est bon. Fou. Les exécutions à dos de Karagor, c'est terrible aussi, elles sont mortelles celles-là. Oh la vache, la tête. Ah. Ok. La deuxième tour. Sais-tu pourquoi Eltariel a été choisi pour être la lame de Galadriel? Impossible de savoir ce qui se passe dans la tête d'une elfe. Je suis un petit orc pour terminer mon défi. Je ne doute pas qu'elle soit la meilleure, mais qu'elle soit la première. Ça se traîne un Karagor quand même, c'est pas assez rapide. Hein. Je sais même pas si à pied j'irai plus vite. Je sais pas. Peut-être qu'on ira à la même vitesse. Mais comme ça, en fait, t'as l'impression que tu vas pas vite parce qu'il sprinte jamais en fait. Que nous, on peut sprinter des fois. Donc voilà. What? Je reprendrai la tour pour le roi sorcier. Et toi, tu mourras dans son ombre. Ça, les capitaines sont plutôt bas niveau. C'est qui mon garde du corps? Qui peut venir déjà?
Je ne vois personne. Le bras, mon gars. Oh la vache. Comment je l'ai raté celui-là? Ah, il est trop cher mon Caragor là. Donc c'est bon. Tranquille. C'est vrai que je peux appeler des Caragor, mais je sais même plus quelle touche c'est. Ces élus sont plutôt obstinés. Bref, c'est pas le souci. Si vous savez la touche pour appeler le Caragor avec un Caragor, eh ben, on monte un Caragor et puis on peut appeler des autres Caragor, mais je sais plus c'est quelle touche. Si ça peut m'éviter de chercher, dites-moi ça en commentaire. Oula, il y a un gros par ça, par là. Ouf. C'est sombre par ici, c'est sombre. C'est bon. Triomphé de 15 minutes. Ok. Oh, je crois pas que mon Caragor va survivre à cette vague. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ils sont assez vénères là. Pourquoi persister alors que c'est futile? Cet Aedir appartient au roi sorcier. Oula, ça pue. Et toi aussi, Roder. What? Non, mais non! La farce! Ouf. Ouf. J'ai douillé. Ça va, ça va. Les chargements. Vivement la PS5, hein. Oh putain, ils me font repopper là, c'est con. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs. Est-ce que je peux appeler mon garde du corps? Même si les élus sont puissants, c'est pendant le rituel permettant de les créer qu'ils sont les plus faibles. C'est vrai. Quand nous aurons toutes les tours, nous devrions essayer de... Je vais essayer d'appeler mon garde du corps quand je serai là-bas. Mais tout à l'heure, je l'ai appelé, rien n'est venu. Oh non, je suis empoisonné. C'est quand la dernière arc? Hop, et si je fais venir mon garde du corps là? Ah non, c'est pas des gardes du corps, c'est juste 3 soldats. Bon, je sais même pas si j'ai un garde du corps d'activé d'ailleurs. Peut-être même pas. Hein. Parce que de base, c'est Zogdouche, mais... Mais vu que des fois on doit appliquer des... Putain, c'est quoi ce vieux gros plan là? Oh putain, c'est quoi ce délire? Ah, c'est carré croix, je crois, pour eux. What the fuck, mais c'est quoi ce bug? C'était peut-être parce que je t'ai contre un mur. Sûrement ça. Voilà, par contre, je suis en train de les bouffer, mon gars. Ah, mon Caragor! Bande de salauds! Putain, mais... Je suis en train de voir, mais j'ai plus de... J'ai plus de mire, moi! Non! Putain, non! J'ai plus de mire avec la TH, là. La TH a été supprimée. J'ai plus mon viseur. Attends.
Ah, ça m'énerve de mourir comme un con comme ça. Mais ça, ce qui m'a perturbé là, c'était le changement de viseur là. Normalement, j'ai réactivé la TH, donc c'est bon. Option. Avec, c'est bon. Mire. Désactiver ceci. Activer ceci pour activer la mire. Ah oui, c'est bon. Mais je l'avais pas, je suis fou. Je l'avais pas. Et là? Ah si, je l'ai. Mais tout à l'heure, je l'avais pas. En biglé ou... Comment ça se passe? J'ai vu un gros glas tout à l'heure. Je vais essayer de le choper. Mais je sais pas si elle va passer dans la petite... On a une petite grotte après. Faut déjà que je le détruise. Et que je le brise. Ouf. Oh non. Allez hop. Go, on va te tuer du capitaine. On ferme pas parce que... Oh, il passe pas cet enfoiré. Putain. Me dépêche. On a compris. Roi poteau, ouais. Ouais, on a compris. Putain, il se baisse, enfoiré. Non! Oh la vache. Je suis con, j'allais tirer sur Celebrimbor. Putain, c'est un bug ça par contre. What? Non. J'étais en train de regarder le Nazgûl, je fais putain, je crois que c'était un capitaine. Mais en fait, c'était le Nazgûl. Mais quel abruti! Tu le sais. Putain. Je suis nul. Ah, j'avais dit Nazgûl dans l'autre vidéo, mais là. Bah, c'est pas lui qui me tue, mais bon. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est de me retaper tout le chemin. Allez. Ouais. Chevaucher des Karagors pour couvrir rapidement des longues distances. Donc, selon eux, les Karagors servent à aller plus vite. On va faire ça alors. Nous devrions essayer de trouver le lieu du rituel. Allez. On croit en moi. Une fois dans votre vie. Et ce qui est con aussi, c'est que là, la rage elfique, elle ne monte pas. Du coup, bah, le L3, R3, bah, il est baisé. Je peux pas l'utiliser parce qu'il est bloqué.
cités alors que c'est futile. Ouais ouais ouais, on a compris. Cet Aedir appartient au roi sorcier. Et toi aussi, Roder. Ouais. Ouais, on a compris. Mais... putain, il est déjà mort, mon Caragor. Bon, allez, faut que je les attire vers les trucs qui pètent. Ah! Oulala, oulala. Allez, concentré, concentré. Mais... et les Nazgûl, ils sont pas si forts en soi, hein. C'est... parce qu'ils font pas vraiment de phase de combat, c'est juste des contres et des trucs comme ça en fait. Oula. Aïe, yeah, j'ai... oh non! J'avais fait ça juste pour qu'il me couvre. Vite, 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 oui! Oui, j'étais trop loin. Je me suis dit... non, 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 non! Putain, non! Putain, non, non, non! Non, non, non. Putain, chier quoi. Il restait plus que lui, ce blaireau, putain. Et des fois, on ne sait pas où passent les ennemis, quoi. Les, non, les alliés. Tu les appelles, ils viennent pas. Alors que c'est activé. Comme les Caragors, pareil, des fois t'actives. Et il est pas là. Fait chier quoi. Allez, là c'est bon, c'est la bonne. Même si les élus sont puissants, c'est pendant la vache. Permettant de les créer. Putain, t'as pas le droit à l'erreur. Deux coups, c'est terminé hein. Quand nous aurons toutes les tours, nous devrions essayer de trouver le lieu du rituel. Ah, je vous jure. Allez. On va encore se taper le monologue là. Pourquoi persister alors que c'est futile? Ouais. Cet Aedir appartient au roi sorcier. Le roi sorcier. Après il va venir. Et toi aussi. Tu paries? Et toi aussi. Roder. Moi j'ai oublié de dire. Mais non! Mais regardez! Ça a même pas à peine commencé, je me prends une flèche dans la tête! Mais c'est... c'est de la déconnade! What? Putain, je les voyais pas aussi près! Vache! Connerie! Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Chier! Putain, je veux viser le feu pour faire une détonation. Voilà. Oula, ça fait mal. Boum! Non! Non, non! Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Non! Mais non! Mais non! Je suis dessus! Mais c'est abusé! Je suis dessus en train de le taper! Normalement, bah, je suis sans défense, donc qu'il va pas me tirer dessus. Oh la blague! La blague! Putain. Je sais toujours pas comment il s'appelle l'orc qui me tue à chaque fois, le capitaine là, mais. Oh! Il me saoule, putain! Sa race! Eh, elle est pourtant pas difficile la mission. Mais c'est juste que deux coups t'es mort, quoi.
putain. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec le Nazgûl là. En fait, je voulais faire mon exécution. Et le Nazgûl, bah, il allait me taper. Du coup, c'était triangle pour contrer. Et du coup, bah, en fait, il m'a tapé. Et en même temps, je l'ai tapé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Bon, j'ai survécu. Mais après, bah, pas pour longtemps. Quoi. Ah, je vous jure. Bon, allez. Je veux pas dire cette fois c'est la bonne parce que. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Allez, cours. Moi je connais tout le chemin par cœur. C'est pas compliqué, mais. Des zigzags, des slaloms, hop, t'es arrivé, hop, j'en tue un, ça fera un de moins. T'es rôdeur, ça veut dire appartient à un roi sorcier. Et toi aussi, rôdeur. Voilà. Je connais par cœur les répliques. Ouais. Mon Karagor est où? Déjà mort lui. Putain, je suis dessus. Hop. Mais non, j'ai fait triangle, j'ai fait. Je vous assure, j'ai fait. Bande de chacals. Non, ça, le Nazgûl, il fait pas très mal. Pète un pont les gars. Je m'arrêterai pas sur ça, je m'arrêterai jamais sur ça. Impossible là par contre. La blague. Je suis sur le cul là. Allez, c'est reparti. Putain, tout à l'heure j'étais à ça quoi. Je fais chier. Et les chargements, putain. Ils peuvent pas me repop à côté, c'est bon, et je sais que je sais faire le chemin en une minute. Hein. Allez, c'est parti. Oh la vache, comment il a écarté ses cuisses, mon gars. Allez. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est, pendant que Sauron n'y est pas. Si Sauron y était, il nous mangerait. Oui. Pardon. Je te tue. Je te mange. Hop. Oh là, comment je les ai tous découpés là. Bubol. Moi, maintenant que j'ai appris ton prénom, et ben je peux te tuer en pep maintenant. Et toi aussi, rôdeur. Et toi aussi, rôdeur. Ok. On a fait les présentations, c'était sympathique. What the fuck, mais il a rien fait mon Karagor. Ouais, mon destin. Ah ouais, bah j'en ai rien à foutre de mon destin, mec. Là, je suis planqué, vous pouvez pas me voir. Et là, détonation. Bam. Et là, hop, je me mets dessus. Non. Ça va, non, j'ai pas eu de... Hop, t'es gelé. Tac, 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 tac. Tac. Je te monte dessus, je te tape, je te mets des coups de poing. Toi, je te contre. Hop. Après, lumière elfique, je suis dans les feux. Je vois plus rien. Pam. Et après, tac, 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 t'es brisé. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Non, non. Hop, 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 hop. Galipette. Lancer rapide. Hop. Hop. Salto, salto arrière, triple salto, galipette. Hop. Hop.
me prends des... Hop, 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 hop. Hop, hop, je me fais taper par un Nazgûl. Hop, hop, et là le Nazgûl me tue. Hop, 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 et hop, et Talion est mort. Oh, bah c'est triste alors, ah, merde alors. Putain, t'es vraiment une merde, Mika, ouais. Wouhou. Allez hop, on recommence. Oui, avec plaisir, je vais recommencer. Yes, j'adore ce jeu. Oui, oui, monsieur. Putain. Putain, j'étais bon là, j'étais bon, je commentais et tout. J'étais bon pourtant. Allez. On est prêt, on est parti. Eh mais pourtant c'est pas si compliqué, bordel. Comme quoi, hein, d'une mission à l'autre, ça peut... Ces élus sont plutôt obstinés. Ça peut vraiment changer. Hein. Il y a des missions qu'on passe d'un claquement de doigts comme ça, des missions, mais on galère, on ne sait même pas pourquoi. Moi, Karagor, je suis désolé, je t'invoque à chaque fois pour que tu meurs 30 secondes après que t'aies pris vie. Je suis désolé. Allez. Le Karagor sprint, le Karagor sprint. Il bouscule un orc. Il passe dans une grotte, il passe dans une grotte. Attention, va-t-il sortir, va-t-il sortir? Hop, il saute du rocher. Et il découvre la lumière. Hop, il saute par-dessus une barricade. Oui, oui. Il rampe dessus. Et après, il court encore, il court encore. Il arrive devant les ennemis. Il en mange un. Il en mange un, il en mange un. Et après, il a vu le capitaine. Du coup, il regarde. Et après, bah, il le regarde parler. Cet Aldir appartient au roi sorcier, qu'il a dit. Et le roi sorcier arrive et il va dire: et toi aussi, rôdeur. Ok. Ok. Le Karagor est là. Le Karagor est toujours en vie. Le Karagor. Eh ben non, il est plus là. Il a disparu. Il est déjà mort. Il est déjà par terre. Hop, hop, hop. Galipette, galipette. Hop, hop. Vous pouvez toujours me courir. Vous n'arriverez jamais à m'avoir. Hop, hop, hop. Là, hop. Il n'y a que des orques autour. Mais bon, c'est pas grave. On active le feu. On va débloquer une exécution. Hop, hop. On approche des capitaines. Hop, on fait ça. Et ça n'a rien fait. C'était vraiment une action de merde. Hop, hop, toi t'es par terre. J'essaye d'aller dessus et je te fous plein de coups de poing. Hop. Prêt, coup de dague. Non, il est prêt. Hop. Hop. Tac. Onde de choc elfique qui n'a rien fait. Ah, ah, ah. Le Nazgûl a me contre. Hop, hop. Tac. Triangle croix. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait croix. C'est passé. Hop, le Nazgûl a encore voulu me taper. Il s'est... Hop, croix, croix. Aïe. Il m'a lancé une lance dans le... Oui, 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 j'ai très très mal. Hop, t'es par terre. Hop, je te tape, je te fais un coup de pied. Hop, hop. Non, 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 non. Mais non, mais quand je suis par terre comme ça en train de lui foutre des coups de poing. Ne me tape pas, putain. Je vais changer ça, je vais changer. Ce qui est bien quand tu prends le mec par terre et que tu lui fous plein de coups de poing, c'est bien parce que ça t'apporte des combos et ça t'apporte des exécutions. Mais ce qui est chiant, bah, c'est que c'est très très long. Bah, t'es assis sur le bonhomme et puis. Et puis en attendant, bah, tu peux te prendre des lances dans le cul, quoi. Du coup, c'est un mal pour un bien, mais j'ai décidé de changer. Oh la vache. C'est pas ça. Bon, on va essayer de gagner avant la fin de la vidéo. C'est pas mal. Ah, je sais même plus quoi faire, je suis dans mes pensées, je suis perdu. Bon, est-ce que maintenant faut que je retrouve le truc par terre là? Le truc de combo à terre. Ah, c'est coup final au sol. Fureur, hop. Et comme par hasard, j'en ai débloqué. J'ai débloqué rien. Parfait ça! Bah je préfère l'enlever au moins. Ces élus sont plutôt obstinés. Comme ça au moins je ferai un coup final et terminé. Même si les tant pis si j'ai pas amélioré le truc, je préfère rien mettre plutôt que mettre les trucs coup de poing. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça me fait perdre vachement de temps. Nous aurons toutes les tours, nous devrions essayer de trouver le lieu du rituel. Allez. Concentrons-nous.
Ok. Là, mon Garador sera mort. Cet Aedir appartient au roi sorcier. Et toi aussi, Rodeur. Et toi aussi, Rodeur. Ignoble étranger. Oh là là, mais je crois que c'est le nazi à chaque fois qu'il tue mon... Putain, mais regardez-moi ça, je demande de rien. Il y a une lance qui m'arrive dans, dans la jambe et je dois rien dire, je dois rien faire, je suis déjà... C'est abusé. J'ai plus de mots, quoi, j'ai plus de mots. C'est lui qui est quand même chiant là. Et puis il faut que je guette aussi le moindre triangle du Nazgûl. Hop, ok. Quoi ? Et j'ai peur de me mettre en mode... En mode arc parce que j'ai peur qu'en fait je me prends une flèche dans la gueule le moment où je fais ça. Ok, je suis planqué un petit peu. Quoi? Pourquoi il meurt pas lui? Merde! Non, non! Merde. Putain, non! Abandonne ton humanité. Je pète un câble! Elle n'a jamais eu de valeur. Ouais. Bien. Une grosse blague, ce jeu. Putain, il est encore brisé, là. Si vous avez des astuces sur le meilleur combo faire pour le mode immortel, dites-moi, hein, dites-moi vos petites astuces pour gagner un maximum de temps sur le moindre petit détail. Le moindre détail compte en immortel. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs Allez. Aussi puissants. Même si les élus sont puissants, c'est pendant le rituel permettant de les créer qu'ils sont les plus faibles. C'est vrai. Eh, j'ai dit que je ferais des courtes vidéos, bah je suis désolé, mais encore une fois. Bon, là ça va parce que je rage, du coup vous voudrez. Si vous allez jusque là et si vous voyez que je rage, vous allez rester automatiquement. Hein? Hein, bande de petits sournois? Allez! Bon, j'espère pas que ça va durer une heure parce que je suis en train de récalquer la play. Et quand vous récalquez la play, vous savez, c'est une heure max. Si vous aviez passé les une heure, votre truc est perdu. Et ça démarre un nouvel enregistrement, donc ce serait baisé. Donc faut que je fasse gaffe aussi, mais comme je sais pas exactement à l'heure où j'ai commencé, faut que je fasse gaffe. Putain, mon Karagor, putain, il meurt tout le temps. Ok. Mais regardez ça! Ah! Pousse-toi, toi! Non! Non! Ah! Putain, je suis en train de mourir dans les flammes, moi, comme un abruti. Et voilà, j'appelle quelques soldats et ils vont peut-être servir à quelque chose un jour. Ok. Putain, j'essaie de drainer un petit rat qui passait par là.
Non, 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 non. Mais non. Putain. Tu es l'instrument. Bon allez, dernière. Je vous le dis, dernière. Après, je suis désolé, je vais arrêter. Putain, non pas que je veux pas continuer, j'ai envie de continuer cet épisode, mais ça va faire trop long. Oh, mais c'est une blague, j'essaie de drainer un pauvre petit rat. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enjambe le petit muret et il me fout une lance. Putain. Ah putain. Dernière. Cette fois-ci, dernière. Si je réussis pas, tant pis. On fera ça l'épisode prochain. Putain, pourtant ça s'est passé nickel jusqu'aux deux tours là. Et à la troisième tour. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs aussi. Indisponible. Il veut même plus que je prenne. Ah c'est bon. Oh non. Je l'ai activé. C'est bon, il descend. C'est vrai. Allez viens. Comme quoi, le Seigneur des Anneaux c'est bien deux tours et pas trois. Hein, parce que la mission s'appelle les trois tours et puis nous. Le Seigneur des Anneaux c'est deux tours, c'est pas trois. Voilà. Comme quoi, il fallait que ça fasse deux tours. Allez. C'est parti! Je descends de mon Caragor histoire de voir s'il va survivre un peu plus longtemps. Cet Aedir appartient au roi sorcier. Oh putain, il pop là. Vache. D'habitude, il pop bien derrière. Bouge de là. Concentration maximale. Allez. Tiens, t'es baisé. Bubble de con. Non, 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 non. Yes, yes. Voilà. Wouhou. Tour que nous récupérons, la vision du roi sorcier diminue. Bon, je crois que ça va bientôt faire une heure. Bon allez les broches. C'était très dur, désolé de couper aussi court que ça. Bon allez, j'espère que l'épisode galéré, j'ai peut-être galéré encore plus qu'à l'arène. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu et gros bisous et à bientôt pour un prochain épisode et bientôt la CRP va arriver et ça va être top. Merci les broches.